Agent FBI yo parlé à 400 Maozo Joe Canel Journal 9. Gros bonjour, bonsoir pour nous toutes qui branché dans tout le monde là. Ah ben, tant qu'on déconnel déjà plusieurs agents FBI sous sol pays d'Haïti hein, pour enquêter et garder qui gens capable joindre libération 17 Américains groupe 400 Maozo eux-mêmes, yo kidnappé depuis samedi Joe Canel Journal 9. Ah ben, selon le ministre de la Justice pays d'Haïti, Liskitel, agent FBI yo entré en contact avec 400 Maozo, Joe Canel Journal 9. Et 400 Maozo, yo fait connaître que moun yo, y a pris soin yo. Ok, moun yo y a pris soin yo. Moun yo pas dans même côté, avec base 400 Maozo, Joe Canel Journal 9. N'de ça déjà, nous te expliqué pour qui ça. Selon information yo, 400 Maozo fait connait que otage yo non kay ki bien sécurisé. Bon, yo mette yo non kay ki bien sécurisé. Yo pa fait yo même genre français, j'ai t'a maltraité français, on songe, c'est à terre ou te mette yo couché. Américain ça yo même 400 Maozo pa ba yo traitement ça à Joe Canel Journal 9 d'après dernière information qui sorti. Donc 400 Maozo yo pa maltraité américain yo mette yo non kay bien sécurisé et y a pren soin yo Joe Canel Journal 9. Ou son jeune de dou kon sa que nek sa ou même la difficile pour kembe otage yo même côté yo cantonné même côté yo basé a di côté soldat 400 Maozo yo ye c'est pas là y a kembe otage yo nou kon pou ki sa c'est dans la mesure où yo localisé yo et gon opération qui vient à fait yo ta fait une pierre deux coups. Non seulement vous avez tout libéré otage, mais vous avez tout neutralisé, monsieur 400 Maozo. Donc, nego, vous regardez un peu le film. Vous ne pas que le film n'est pas gardé là, nego, fin compte qui j'en pour opérer net. C'est ça que vous avez là. Nego, pas qu'un bé otage, même côté avec vous. Ça veut dire, là, vous avez une pile libre pour négocier Joe Canel Journal 9. Nego, pile libre là, agonia, pour négocier avec l'autorité américaine. Nous connaissons déjà, monsieur a demandé 17 millions de dollars américains. 1 million de dollars pour chaque américain. Donc, c'est comme ça, monsieur 400 Maozo, même, a demandé Joe Canel Journal 9. Donc là, le fait que moun yo pas même côté avec yo, j'en dou ça, yo pi libre pour négocier. Parce que, autorité haïtienne et américaine, si yo kage indice côté soldat 400 Maozo yoye, yo pap konne facile kote otage yoye. Américain yo kidnappé yo. Yo pap konne kote yoye. Et nan sens sa, FBI, l'armée américaine, pa kapote bourré sou 400 Maozo. Yo pa kapote bourré sou 400 Maozo parce que yo ka mette la vie otage yo en danger. Donc là, pour le moment, c'est négociation. Pour nèg yo fait. Pour le moment, c'est négociation pour essayer gérer pour voir qui j'ai au calibre moun yo. Maintenant, gros causé, est-ce que pays États-Unis a bail 17 millions de dollars? Est-ce que y a bail rançon? Parce que nous songe gagné congressman américain Kaisinger qui mandait pour faire en sorte que libérer moun yo pour américain. Pour le département d'État, pour le gouvernement américain, dégager le coup mettre Jean-Jacques pour libérer Mounio sans un goût de pabay. Et, il y a porte-parole, Maison Blanche qui parlait, James Psaki, lui fait qu'on est que, il y a travail pour libérer Mounio sans que yon brèche cheve dans la tête yon parache. Donc là, c'est négociation qu'on va poursuivre. Mais, tant qu'on dit ça, l'agence a 17 millions de dollars. Est-ce que États-Unis a bail? Pas oublier que États-Unis ont formule les quoi là-dedans. Les États-Unis ne négocient pas avec les terroristes. Ils ont toujours dit oui. Même dans le film, ils ont dit États-Unis pas négocier avec les terroristes. Mais là, c'est vrai, autorité pas bon ici, tirer les négociations terroristes. Mais ils ont pas considéré un terroriste classique. J'ai américain lui-même. Les considérer terroristes, bien que nèg sa yo y a simé la terreur en Haïti, y a terrorisé population, mais dans façon, dans dimension
pays États-Unis lui-même li concevoir un terroriste, yo pas prendre yo comme un terroriste, Joe Canel, journal 9. Donc là, situation li compliquée. Et selon information qu'a sorti, ah ben li possible pour négociation entre les États-Unis, entre pays d'Haïti avec 400 Maozo, li possible pour durer plusieurs semaines. Qui ça fait une négociation qu'a duré aussi longtemps, Joe Canel journal 9? Parce que c'est l'argent, monsieur Omandé, 17 millions de dollars américains. Ah ben, est-ce que qui ça fait au prévoir que négociation pour le durer plusieurs semaines? Est-ce que on va le faire durer juste pour recueillir plus information sur gang 400 Maozo ou bien joindre côté moun yo pour libérer yo? Ça qui est très dangereux parce que la vie moun yo très important. Donc États-Unis papa vinn perdu la face devant le monde entier là, devant un petit groupe gang qui est les 400 Maozo. Parce que si ta gon branché ve dans tête moun dao qui raché, la pon gros coup dur pour Joe Biden. La pon gros coup dur pour administration Biden Harris lan Joe Canel journal 9. Donc nèg yo doit faire en sorte que yo bien mené négociation, que yo joine libération tout moun sans on branché ve dans tête yo paraché. Parce que si yo pote bourré, si yo avance mal sous 400 Maozo, bagay lan ki doit mal fini. Joe Canel journal 9. C'est gros causé. Bah elle n'a pas pitié. Et FBI qui n'en paye un agent FBI yo qui sous sol là yo gentan mesurer danger yo gentan mesurer risque qui gagne face à otage sa yo même 400 Maozo kembe. Et nèg yo gentan wè 400 Maozo nèg yo pa Maozo dans sens haïtien nèg yo pa sot. OK, nèg yo pa sot. Une fois que nèg yo getan informé yo que otage yo pa même côté avec yo, yo getan comprendre en pile bagay. Parce que pas oublier, n'a pas les agents de FBI. C'est des nèg qui bien formé pour type de situation ça yo. Attitude adversaire ou bien preneur d'otage là capable faire ouais à qui est yo en affaire. Façon nèg 400 Maozo a comporté yo capable getan faire yo ouais est-ce que monsieur 400 Maozo c'est des nèg yo ka prend par surprise ou bien est-ce que monsieur 400 Maozo c'est des nèg que ou pas doit traiter ou pas doit agir mal avec yo dans sens pas essayer au prendre par surprise parce que sou fait ça li capable fatal pour la vie otage yo Joe Canel journal 9. Donc nèg yo même agent FBI yo continue à étudier terrain. Yo continue à étudier groupe 400 Maozo pour bien comprendre ni pour yo wè dans qui sens yo ka agi. Est-ce que yo doit kembe négociation net aller pour joindre libération moun yo et payer l'argent ou bien négocier pour descendre coble ou bien est-ce que yo doit planifier yo opération et mener yo opération pour joindre libération moun yo. Allez tout, regardez, nous sommes en affaire avec les États-Unis d'Amérique. Y a étudié toute possibilité là. Oui, c'est FBI qui l'a. Département d'État saisi de dossier. Donc toute possibilité yo a étudié. Même sous tendez yo parle de négociation qui a duré plusieurs semaines, mais toute piste yo sous table. Yo capable toujours voyer des troupes vin libérer moun yo, vin mener en opération et libérer otage. Mais pour cela, faut que bien étudier terrain, faut que bien étudier adversaire, faut que connait qui ça adversaire ka fait, qui ça pas ka fait. Qui ça qui risque adversaire prêt pour le prendre, qui risque li pas prêt pour le prendre. Là me dit nous ça c'est des experts qui là qui habitués à type de situation ça yo, qui connait qui gens pour agir, qui connait qui ça pour faire, qui ça pour pas faire Joe Canel journal 9. Donc est-ce que États-Unis pral entrer dans logique bay l'argent? Gen moun ki di si États-Unis bay l'argent, bon, pays d'Haïti mouri fret nan film. Si États-Unis qui c'est grande puissance qui gen 17 moun yo kidnappé pou li.
Gang 400 Maozo kidnappé 17 moun. Ah ben si États-Unis qui c'est grande puissance. Ah ben s'il vini là, li pa ka jwenn un moyen pour libérer moun yo, sans pa bay on goud. Li pa ka jwenn un moyen pour neutraliser 400 Maozo, ah ben Haïti mouri dans film nan net parce que si on grande puissance pa ka neutraliser messieurs yo, qu'en est-il de un petit pays tankou Haïti? Qu'en est-il de un petit pays tankou Haïti qui pa gen gros technologie États-Unis gen, qui pa gen gros service renseignement États-Unis gen, qui pa gen gros institution ka mené de gros opération pour libérer prise d'otage que États-Unis lui-même li gen? Si États-Unis rive dans ça, c'est que mouri dans film. Mais pas oublier, dit nous comme ça, même sous tande affaire l'argent a parlé, yo fort dans ça. Même sous tande affaire l'argent a parlé, gen l'autre bagaille qui doit régler tout. Parce que 400 Maozo lui-même, yon nan bagaille qui intéresse elle, c'est la libération de Yon Yon. Dit nous ça déjà, Yon Yon, c'est monsieur qui est premier chef gang, premier leader, 400 Maozo du Canal Journal 9, monsieur est en prison actuellement. Et je suis en prison actuellement. Nous songer déclaration, eh ben l'homme sans jour lui-même l'était fait. Quand elle te dit, Grenèg en de prison, kabay yon pression. Il te dit négio, depuis au bail yon pression. En de lui-même la bail pression de yon. Est-ce qu'elle songer déclaration ça? En de des on l'autre fois encore. Joe Canal Journal 9 déclaration ça que l'homme sans jour t'es fait. Sous premier chef gang 400 Maozo à Yon Yon qui est en prison. Je dis à même pas de chef là. Pas de chef là, on a quand même. Parce que quand même, il est là, si. Et on dit qu'il y a des roquettes là. Mais, ma ouais, imbécile. Ça a vu des cadeaux qui lui. Elle aime bien changer. Je dis à, il était fait Jean-Jacques Dessalines. Jeune minute, la prison, cap caressim, cap de la mort.
qui m'a gagné, pas qu'on fait une base, et faut faire attention pour Pep Zone, faut faire attention pour Pep Zone, pas contre pour Pep Zone, parce que si passé là, si on était mauvais monde, je dis à madame là, si on était mauvais monde, et on était comme bon mal, je dis à madame là, ah ben monsieur, moi dis non ça toujours. Nous on a été assez pour mouiller. Nous baillons doule. En dedans, moi-même, je baille doule dehors. Pas besoin comme ça, qui vient de petit police saleté. Nous baillons doule en dedans. Moi-même, je baille doule dehors. Parce que je baille et mon doule. Si m'a sorti même pas sorti vrai parce que m'a pas mon lemba non jour m'a sorti mon bébé matin ay pas de plus j'ai mon elem pas de plus j'ai mon elem moi le nèg on a base on dit mais c'est jeudi et fait Jean-Jacques Dessaline n'a pas sorti mais sauf ça me sorti à ce là. C'est parce que bon certain espoir est dit. Ça que moi, à quelques jours, on nouvelle qui devient jeune homme. Mais monsieur, qui j'en fais fréquent, monsieur fréquent le vieux, on le permet de le coup de pour m'enseigner, il y a dit, on pour ma journée, le fait mourir. Et par rapport à la vie, moi, on pas pour vrai, même. Parce que par la politique, on veut dire à Négla. Négla, 7 ans en prison, monsieur. Négla, 7 ans en prison. Négla, pas qu'on a rien de base, ça, on n'a pas qu'on a rien de base. Nous connaissons la mensonge de tête des points. Nous connaissons la mensonge de mettre sur là. Ça fait 4 tentatives qu'on fait. Brûler les gars dans le bureau. Brûler les gars dans le bureau. Pour la mettre dans l'isolement. Les gars, si c'est contre mercenaires, on ne peut pas mettre dans l'isolement, pas brûler. Si on veut mettre dans l'isolement, retirer mercenaires, il n'y a pas de problème dans l'isolement. C'est le début de toute famille pour qu'on perde l'air pour mettre le côté
Voilà, ou sont tant de li, l'amour sans jour. Nèg yo gon non yo bay. Et yo gon j'ai traduit l'amour sans jour en anglais, hein? Death without days. C'est comme ça blanc américain lui-même, il traduit non l'amour sans jour. OK? Il pas qu'a dit l'amour sans jour, il dit death without days. En tout cas, blanc traduit l'amour sans jour en anglais. Ben Michel lui-même, même sous tant de nèg yo mandé 17 millions de dollars américains. Yon nan bagay ki important pou l'amour sans jour, yon nan bagay ki important pou 400 marozo, en ben, c'est la libération de yon. Et yon te mande sa déjà le yon te pren français yo, malheureusement, brikouri nouvel gaye, yon pat ka libere yon encore. Bon là, ou tende l'argent a parler, mais pas inquieto, ti demande ça a fait en bas, Joe Canel, journal 9. Donc là, situation, j'en dou ça, li pas facile. J'en explique ça, situation, hein, on ne peut plus complexe, et c'est ça que fait. En ben, agent FBI, yo, y a pris tout le temps qu'il faut. D'ailleurs, ouais, n'est-ce pas pressé? N'est-ce pas pressé ou posé? Agent FBI, yo, a pris tout le temps qu'il faut. C'est des experts, c'est des nègres qui expérimentaient, qui ont étudié terrain, étudié groupe 400 Marozo, ou en mode opératoire, yo, et essayé, ouais, tout, si au cas joindre, si vous localisez, en bien, côté, vous kembe otage, du canal journal 9. Parce que, qui est nous, en bien, go technologie, n'est-ce pas, gagne. Là, vous faites kidnapper, moun yo. D'après information qui sorti. Là, vous faites kidnapper, moun yo, samedi, hein. En bien, gagne, yon nan, moun yo, qui est en écrit sur un groupe, qui est en voyant un message aller, qui dit, yo kidnapper nous, yo kidnapper chauffeur, nous, par contre, côté, yo pral avec nous. Priez pour nous, priez. Di youn Américain yo kidnappé yo, yo te gen tan écrit sur un groupe. OK? Yo gen tan écrit sur un groupe. Et message ça qui allé a, c'est capable yon piste important pour enquêter yo, Joe Canel journal 9. Ay jouet ti moun la. C'est des agents de FBI qui là, c'est les États-Unis qui a agi même sous senti que en ben là depuis samedi yo kidnappé moun yo. On prend mon yo gen plus que 3 jours nan men l'amour sans jour nan men 400 marozo pa enkieto gon proverbe haïtien qui dit ti mari mize nan route men li pote bon nouvelle en ben nèg yo même yo pa kouri pote bourré sou 400 marozo parce que yo pa konn kote yo kebe moun yo talè al fon pote bourré là et puis c'est la cause moun yo mouri donc c'est un gros problème pour Biden. Pour administration Biden Harris là qui t'a dit ben écoute qui j'en fait nous vinn casser dans nous là en Haïti un petit pays tant que Haïti eh non, mais, ouais si bagaille ça arrivé là tout bon pas gain l'autre pour laver Biden pas gain l'autre pour laver Biden et Daniel Foot ancien envoyé spécial pays États-Unis en Haïti hein? Daniel Foot l'a gain pied sous cou monsieur parce que Daniel Foot te dit monsieur voyez on troupe en Haïti pour aider gouvernement haïtien pour aider la police contre carré nèg exam ça yo groupe gang ça yo la police nationale d'Haïti pas capable faire travail ça pour contre lui et yo te dit non kite yo dégage yo ati gang yo on va kite gang yo ba yo problème mais jodi an la problème gang pays d'Haïti a bay haïtien problème gang pays d'Haïti a bay gouvernement haïtien mais problème gang ça yo yo rive nan porte pays États-Unis les nèg sa yo même yo kidnappé plusieurs ressortissants américains Joe Canel journal 9 donc là problème gang yo rive nan porte pays États-Unis donc c'est pas facile c'est pas bagay qui douce du tout ça qui a passé là donc États-Unis font gros erreur et gen américain
Les médias américains commençaient à parler de ça. Le fait que pays États-Unis pas de voyer tout dans le pays d'Haïti pour aider Haïti à résoudre le problème. Parce que ça passe. Haïti, c'est à quelques heures lié de les États-Unis. Toujours gagner des ressortissants américains qui ont entré dans le pays d'Haïti. Même là, ouais, États-Unis a mis Haïti niveau 4, l'a dit, ressortissants ne pas voyager à Haïti, ou a toujours joindre des missionnaires, ou a toujours joindre de bons samaritains, ou a toujours joindre de américains qui a fait voyage là, quand même, qui a entré dans le pays d'Haïti, du canal Journal 9. Donc, et moun sa yo même, y a exposé à insécurité qui est là, à kidnapping qui est là. Donc, zam kap entre dans le pays. Katouche kap entre dans le pays. Donc, monsieur Ovin ouè là que yo capable victime de l'itou. C'est-à-dire, citoyen yo, ressortissant yo, américain capable victime de trafic zam kap fait dans le pays là. Que États-Unis ferme gel sou li. Munition kap entre dans le pays là. Que États-Unis ferme gel sou li. Parce que s'il devle bloquer li, ta bloke l. États-Unis kon kote zam yo soti. Yo kon ki institution kap van yo. Yo kon ki moun kap achete yo. Abli, pa gen yen kap passe la kap fèt nan Caraïbes lan la. En termes de trafic zam pou États-Unis pas au courant. Négatif. Jan Doulan, c'est yon nan pi gwo service renseignement ki gen sou la tè. C'est États-Unis qui possède l. Yon nan pi gwo service renseignement ki gen nan tout moun lan la. C'est États-Unis qui gen l. Nou ka fon nèg ou pense, autorité haïtienne ki dwa pa ka met men sou ou. Mais États-Unis, joul le Foucault, la Foucault. Parce que il y a information sur tout nèg qui fait trafic zam dans pays là qui fait cartouche entrer qui fait zam entrer. Donc je dis en là zam ça yo cartouche ça yo là yo capable tourner contre États-Unis contre ressortissant américain Joe Canel Journal 9. Donc Biden capable pour gros soufflette ça faut ouais porte-parole maison blanche là porte-parole maison blanche là fait qu'on est que département d'état que administration Biden nan, chaque jour. OK, chaque jour, yo voye des updates pour. Chaque jour, agent FBI qui là, yo informé yo de mais qui avance gain, mais qui ça ka fait, mais qui ça n'a pas réglé, mais qui dialogue nous ga monsieur, mais qui ça monsieur mandé, qui j'en ka satisfait yo. Est-ce que n'a continuer négociation pour ba nèg yo 17 millions de dollars ou bien n'a baisser dans cobla n'ba yo 15, n'ba yo 10 millions, n'ba yo 8 millions de dollars, n'ba yo 5 millions. Est-ce que n'a ba l'argent quand même ou bien est-ce que n'a localisé moun yo? Gen ça tout. Est-ce que n'a localisé otage yo ou ki bonnay yo kembe yo? Et puis nous menons opération propre. OK? Nous menons opération propre. Nous libérer moun yo s'il faut neutraliser, stopper quelques soldats de 400 Maozo pour nous faire tout. Donc bagay nan li même c'est qu'on s'allie Joe Canel Journal 9. Ou qu'on formule nan déjà. Si vous pouvez abonner à la chaîne, ça prend quelques secondes pour faire ça. Cliquez sur subscribe et puis cliquez sur petite cloche là pour toujours recevoir notification yo chaque fois nous partager une nouvelle vidéo avec vous sur Journal 9 et puis suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, suivez-nous sur www.journal9.tv. Toujours vide bagay neuf pour nous, l'amour, affection, love, nan Cash App, Zelle, PayPal pour encourager bel travail ça et puis toujours partager vidéo nous yo dans tout groupe WhatsApp, Facebook, Telegram pour encourager travail ça. Toujours brancher Journal 9 parce qu'à n'importe qui moment n'a posté une nouvelle vidéo pour informer de ça qui a passé ici en Haïti sous ti bout de ça côté qui gagne pile causé surtout à kidnapping qui fait sous 17 américains Joe Canel Journal 9 qui n'a mais 400 Maozo et l'amour sans jour monsieur lui-même monsieur campé dingue. L'amour sans jour campé King à la Gadash. Monsieur montre que, malgré ces Américains qui n'amènent, malgré agent FBI à rentrer, monsieur montre que lui-même, c'est l'amour sans jour lié, lui pas peur, lui pas prendre pression. L'amour sans jour montre, Jean-Paul Haïtien dit, lui son grain dans Bouddha, lui son baron. En tout cas, Joe Canel Journal 9, gécosé. Mais de temps en temps, nous-mêmes, n'a bon update sous ça qu'a passé, hein. Sous prise d'otage, ça, que 400 Maozo lui-même li fait, c'est ça qu'il faut gagner intérêt. Toujours été sous Journal 9, Joe Canel, n'a faut camper là, avec vidéo ça, toujours partager, like, et puis commenter vidéo yo, sous page nous, Joe Canel, Journal 9, n'a faut camper là.